Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur Planet Zoo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu de construction. Donc je vais mettre pause. Et on va alors décorer cette petite zone. Là, j'ai fait un espèce de comment on appelle ça? De bac à plantes avec des pierres, là, juste simplement, hein, juste pour délimiter ça. Et on va essayer de décorer un peu ça et cette zone ici là, pour que les visiteurs ne voient pas trop derrière. Voilà, il me restait d'ailleurs, il y avait encore des murs en briques là, je pourrais peut-être les enlever, on verra. Il me reste des petits coins comme ça où j'ai pas encore trop décoré, j'ai pas encore du coup continué trop les abris c'est lesquels ça, les chimpanzés et les mandrills. Je les ai pas encore trop décorés. Va falloir que je le fasse. J'ai commencé un peu à poser ici des rondins. De la même manière que là. Faut que je le fasse tout le tour, mais je le ferai hors vidéo, je pense. Hop, donc là on va se faire un espèce de. On va essayer de faire un truc joli. Avec des plantes et tout. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Peut-être un peu de déco. Alors déjà on va mettre des plantes. Première chose, on va prendre des plantes d'Afrique, puisqu'on est dans le continent africain. On va enlever les plants, voilà. Et on va essayer de mettre. Alors moi je verrais bien un espèce de grand arbre là ici au milieu. Et pas mal, et avec des plantes de plus en plus petites pour arriver au bord là sur quelque chose de plus petit. Est-ce qu'on mettrait pas un palmier? Ça c'est sympathique ces trucs-là. Moi j'aurais bien mis genre un cocotier là. Parce que ça irait vraiment un cocotier. Mais bah, beaucoup trop gros. Évidemment. Ah ou quelque chose comme ça. Ça ferait de l'ombre ici. Oula, c'est un peu trop. Ça ne va pas du tout. Ils sont trop petits les autres. Ok. Un arbre comme ça, pourquoi pas. Ça fait pas très très Afrique, je trouve. Enfin, ça fait plus Afrique tropicale que Afrique. Ici, on est plus dans l'Afrique savane. En fait, on est à la limite là. Là, on a plutôt une Afrique tropicale. Et ici, on a plutôt une Afrique savane. On va rester dans le thème Afrique savane ici. Donc je vais plutôt. Enfin savane. Ouais savane, ouais. On va plutôt mettre des cocotiers. Cocotiers. Dattiers. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme grands arbres? On a ça aussi, le figuier étrangleur, mais ça c'est pareil, ça fait pas. Ouais si ça va. L'acacia fougomier ça aurait été bien, mais. Mais le problème c'est qu'il n'allait pas. Ça, c'est pas trop mal du tout. Vraiment. Pourquoi pas. Ah, c'est un petit. Faire le grand. Mais le grand, il est plus grand. Bah, en vrai, pourquoi pas. Ça irait bien, là, au milieu des rochers, comme ça, ces espèces de racines, là. Non? Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est quoi? Oula, ça rame un petit peu là. Ça galère un petit peu à. Oh là, je l'ai posé l'autre du coup. J'aime beaucoup ces espèces de grosses racines, moi. Ok, alors. Pourquoi ça rame comme ça le jeu là? Waouh! Ok. Ça rame pas mal. Alors. Donc là, on a notre grand arbre. Qui est pris dans les rochers comme ça avec ses grosses racines, c'est très très classe, j'aime beaucoup. On peut peut-être même du coup prendre une pierre comme ça, faire quelque chose comme ça. Vous voyez, il est pris dans les cailloux. Hop, simplement déjà, hop, ensuite on retourne dans nature, j'ai cliqué de partout.
Et on va voir ce qu'on peut mettre devant. Devant, on pourrait mettre des petits bananiers. Ça irait pas mal. Bananier comme ça. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre qui pourrait le faire? Ces trucs-là, c'est pas mal aussi. Alors attendez. Ouais, des bananiers puis des trucs comme ça, c'est pas mal ça. Ouais, on va mettre des arbres comme ça. Alors, là, on va mettre un petit comme ça. Un autre comme ça. Ensuite, plutôt les bananiers. J'aime mieux les bananiers, c'est plus joli. Et du coup, bananier cocotier, ça fait moins savane. Ah oui, j'avais dit que je voulais faire un truc plutôt savane. Ouais, mais c'est savane, c'est plus de l'herbe. C'est plus de la terre que de l'herbe. Aussi. Bananier, ouais, bananier, ça fait pas très savane. Ouais, vous savez quoi, on s'en fiche, on va faire un truc comme ça. On va faire ça, moi j'aime bien. Là, clac. On va mettre un peu de couleur. Oula, désolé. Désolé, je tousse un peu. Alors, toc. On va mettre des petites fougères un peu par là. Hop là. Ça, non. Des herbes comme ça pourrait être pas mal pour agrémenter les coins comme ça. Histoire de donner un autre volume d'autres plantes un peu. Je voulais donner un peu de couleur. Voilà. Un peu de la couleur avec des plantes comme ça. Sur le devant, il n'y avait pas une espèce de plante qui ressemblait à ça mais qui était plus colorée. Celle-là, elle pourrait faire l'affaire par là, là. Tchouk. Ça, là. Hop. Voilà. Bon, ensuite, on va mettre des. Hop. Des trucs comme ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà. C'est pas mal ça. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Exactement. Mettre devant, là, ça ira bien. Check. Déjà là, ça fait un truc pas mal, je trouve. Maintenant, on va peut-être essayer de mettre un peu de terre. Que de l'herbe. On va alterner un petit peu, un petit poil hein, comme ça. Voilà. Ok, ça manque un peu de trucs par là. Peut se mettre des petites pierres aussi. On peut mettre des petites pierres à celle-là, j'aime bien ces trucs-là. Ça, je trouve c'est joli. Hop.
Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ouais, un truc comme ça devant, c'est pas mal. Check. Ça fait sympa ça. Je vais remettre des espèces de fleurs là. Ça va bien, je trouve. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On peut mettre des trucs comme ça un peu. Voilà. Hop. Fleurir un petit peu quand même. Oula, non, ça c'est grand. On a ces petites fleurs. J'aime bien les petites fleurs orange là. Elles sont là. On va mettre des noms fleuris un peu quand même. Hop. À moi qui voulais un truc savane, c'est un peu raté, mais ça fait un beau petit massif. Ouais, j'aime bien. Ouais, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Ok, je suis content, j'aime bien. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Alors maintenant, on va essayer de faire ici. Donc là, on va aller un peu plus à la bourre. Hein. On va prendre genre des plantes au sol. Est-ce que les gens, ils vont y voir là? Alors déjà, première chose. Oh là, mais pourquoi ça rame comme ça des fois? Première chose, on va essayer de récupérer. Voilà, ça, parfait. Un bout de mur là qu'on va mettre ici. Check. Alors. Toc. Ça fera l'affaire, je pense. Comme ça. Hop, on va juste le pencher légèrement. Voilà, comme ça on peut faire clac. Voilà, c'est très bien. Allez, à chaque fois que je vais poser un truc, ça va ramer comme ça. On va récupérer celui-ci. Chouk pour le mettre là. Comme ça. Hop, oh, punaise, à chaque fois que je pose un truc, il y a mon disque qui est. Je sais pas si c'est mon disque ou si c'est ma carte graphique, mais putain, oh! C'est possible ça. C'est bon, c'est pas rentré à l'intérieur. Donc là, maintenant, on peut. Du coup. Prendre ça. Hop! Je pense que ça fait un moment que j'aurais dû le faire ça. Voilà. C'est pas possible. Ok, donc là on a nos pierres, maintenant c'est bon, et là on va balancer des arbres. Ah oui, j'avais dit que je voulais mettre des petites pierres là-dedans aussi. Alors, ça c'est taïga, je crois. Hein. Rocher de taïga. Alors, je me mets là, paf, là je mets taïga. Rocher de taïga, très bien. On va mettre des tout petits trucs comme ça. Voilà, juste pour donner du volume un peu. Hop, puis des décos, pas besoin de déco en fait. Hein. Pas besoin de déco. Voilà. Ok, alors on retourne dans les arbres, on enlève ça. Alors là j'aurais bien mis ça c'est quoi ça? Ouais des trucs comme ça va bien cacher. Hop, un espèce d'arbre ici. Par contre c'est archi pénible là, si à chaque fois que je pose un arbre ça m'embête. Ça va être pénible au bout d'un moment. Hop là je mets un autre arbre là. Et là je pense qu'on est pas mal.
Là maintenant les visiteurs ils voient plus trop derrière ce qui se passe. On va falloir mettre un peu des trucs là. Qu'est-ce qu'on va mettre en bas? Ça c'est beaucoup trop gros. Allez, mais c'est pénible. Encore un signe de faiblesse de mon PC. Va falloir que je le change ce PC. Ouais. Allez. Voilà, très bien, des buissons. Hop. Clac. Alors, Chuck. Ça, j'aime bien aussi. C'est joli, ces espèces de trucs, là. Voilà, comme ça, il voit des buissons et il ne voit pas derrière. Voilà, c'est très bien, ça suffit. Ça suffira amplement. Ok. Donc là, on est pas mal sur cette zone-là. On va peut-être du coup s'attaquer aux barrières là-bas. Là, ici, du coup. Ça me paraît bien bas, là. Si je prends ces barrières-là. C'est à 2 mètres. Ça me paraît pas bien haut. 2 mètres partout. Ça fait pas bien beaucoup de mètres. Hein. On va peut-être monter tout ça. Au moins 2 mètres. Quoi ça bug là ? 2 mètres 46, allez hop. On va pour 2 mètres 46. De toute façon, j'y remonterai individuellement après. Ok, alors là, il va falloir qu'on en prenne. Qu'il soit plat. Est-ce que j'en avais ? Non, pas trop là. Si, ici. Alors là, on va enlever ça. Hop, normalement j'avais fait des. Ah ouais, raté. Zut. Alors là, si je prends tout ça, séparé du groupe. Ok, je vais. Je peux y grouper tout ça? Ok, ça me fait un groupe avec ça et ça. Attendez, c'est droit? Non, c'est pas droit. C'est pas droit du tout là. Zut. Zut. Ah oui, non, mais déjà. Première chose à faire, ça va être de mettre des vitres ici. Ah, attendez, on va quand même remonter ça un peu parce que ça m'embête là. Que ce soit si bas que ça. Oh, ça monte que ça. Merde. Annulé, annulé. Alors moi je veux monter tout ça. Là. Ici là. Je vais monter un peu par là. Clac. C'est assez haut là. Ça me paraît pas très très haut moi, mais bon. On va dire que c'est bon. Ok, on ferme ça. Ceci. Les trois qui sont là. On va. Alors non, déjà ce qu'on va faire, c'est que. On va supprimer celui. C'est pas ça que je voulais faire encore une fois. Je voulais prendre juste celui-là et celui-là pour les supprimer. Et là, on met un grand. Non. Non plus. De là. Longueur. Voilà. Comme ça. Sauf que là, on prend de l'anti-escalade des deux côtés. Hop, voilà. Même si il y en a besoin que de l'autre côté. Pour le moment, on met les deux. Là, moi, ça me paraît pas bien haut, moi, quand même. J'aimerais bien le monter plus haut, celui-là. Allez. Alors ça, ça c'est nul. Pourquoi ça me monte pas ? Faut que je prenne ça avec, c'est ça ? Voilà. Ok, comme ça j'aime mieux. Paf. Ok.
On enlève, on va chercher ça. Contrôle D. Hop, ici on vient. Ah non, j'ai oublié un truc encore. C'est que ces deux-là, là, celui-ci et celui-ci, on leur met, on les met en vert, vert centain même. Voilà, donc c'est déjà du bon côté. On va quand même. Non, c'est pas ça que je voulais faire du tout. C'était ça que je voulais faire à l'anti-escalade, le mettre que à l'intérieur. C'est bon. Ok, très bien. Donc là, on a notre truc. Maintenant, on va prendre. On va prendre ça. On va le mettre ici. Clac. Hop là. On va juste cacher. Hop, voilà. Comme ça, parfait. Ensuite, on prend ça. Contrôle D, on vient le mettre ici. Bon, il va falloir en supprimer un peu. On va voir ce qu'on va faire. Check. Paf. Ok, donc ça. On va supprimer tout ça. Sauf celui-ci. Bim, delete. On va faire pareil ici. Clac. On va même supprimer celui-là. En fait, on va quitter le groupe. On va prendre celui-ci. Et on va le décaler par là. Voilà. Et celui-ci. Non. Je vais quitter le groupe, s'il vous plaît. Voilà. Hop, on va juste le tourner un tout petit poil comme ça. Là, on se colle à ça aux autres rondins. Hop. Voilà. Hop, on fait ça bien. On fait ça très bien. Clac. Ensuite, je vais récupérer ça de nouveau. Pas tout à fait pile poil droit, mais ça ira très bien. Hop. Clac. Ok, j'ai besoin de moins long là. Ah ouais, là d'ailleurs, celui-là, on voit le bois, là faut que je le cache. Voilà. Et là, on va faire un contrôle D de celui-ci qu'on va venir mettre ici. Là, ça devrait aller parfait, n'est-ce pas? Hop là, c'est pas beau ça. Là, on va prendre ça, clac, on va venir mettre ici. On viendra en remettre quelques-uns ici. Là, on va juste cacher pour pas que les gens voient les barrières de là-bas. Boum. Il y a des lags, il y a des moments, c'est pénible. Hop. Parce que là, ils y voient encore, ouais. On va remettre un petit poil. Un tout petit peu, voilà. Très bien. Très bien, très bien. Là, je vais en remettre un peu là aussi. Bon, on va aller jusqu'au bout là. Hop, ça devrait suffire. Tchouk. Ah, faut que je le monte par contre. Voilà. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Ah oui, j'ai oublié ça. Alors, tchouk. Là.
On se décale un tout petit peu par ici. Ok. Ça va pas tomber pile poil, tant pis. Ok, voilà, très bien. Quitter, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes rondins. Ça c'est quoi ça? Rondin mural 1. Rondin mural 4, si c'est les mêmes. Ok. Voilà, on a fait notre façade ici. On va juste vérifier que les mandrils qui sont ici ne peuvent pas les escalader. Donc on va remettre lecture, hop, on va se mettre ici, et là on va se mettre en zone traversable. Ça a l'air bon. Il n'y a pas la petite icône comme quoi ils peuvent s'échapper, donc ça veut dire que ça doit être bon. Parfait, hop, on remet pause. Hop, on a fait notre petite façade de ce côté-ci, c'est nickel. Hop, là on va voir ce qui s'est passé, donc il s'est rien passé, parfait. Ok, là on va récupérer un truc de comme ça de don qu'on va mettre ici. On va venir le mettre là, là, clac. Du coup on va récupérer l'habillage qui est avec. Hop. Zou. Hop là, parfait. Et là on a notre forêt au mandril. Et du coup, il nous restera la même chose à faire sur toute cette façade là. Je vais chercher le panneau des mandrils d'ailleurs aussi, qui doit être là-bas. Alors, les mandrils. J'ai pas de panneau de mandrils. Si. Ah, j'ai pas mis les hippopotames. Ah non, c'est les hippopotames pygmées, ceux-là. Je ne les ai pas. C'est, ce sont... Alors, les hippopotames pygmées, je crois que c'est... C'est pas un DLC. C'est un animal du... De la version... pas premium, mais... par là. Enfin, je perds mes mots là. Il y a une version qui a trois animaux supplémentaires que je n'ai pas. Donc il y a le dragon de Komodo, il y a l'hippopotame pygmée qui est un hippopotame plus petit que l'hippopotame qu'on possède, et il y a un troisième truc, je sais plus ce que c'est. En tout cas, voilà, il y a quelques animaux que je n'ai pas, du coup. Enfin, il y a ces trois animaux que je n'ai pas. Ok, donc là, c'est pas mal. Cet habitat-là est pas mal du tout. Ça ferait qu'on le décale, ça sort un peu ici. Hop, voilà. Ok, donc là, on a un bon habitat. On est bien, donc là on a fait notre petite zone ici, là on a fini, on a avancé un peu ça, il va falloir le faire tout ici. On est bien. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ah ouais, j'avais dit que je voulais mettre des petites pierres un peu comme tout le long là. Mettre ici aussi, il faudra que je le fasse quand j'aurai le temps. Chose que je pense pas trop à regarder, c'est si j'ai bien partout des boîtes à dons. La journée, ouais, en Australie, j'avais pensé à les mettre. Les boîtes à dons, il y a aussi les boîtes... les distributeurs de billets, j'en ai mis un peu ici, là, je crois. Il faudrait que j'en rajoute par là, là. Là, ce serait pas mal que j'en rajoute des distributeurs de billets. Un peu peut-être ici, là. Là, je pourrais en mettre un, là, par exemple. Là. Voilà, voilà. Ah oui, chose que j'avais dit que je voulais faire aussi, c'était continuer cette zone-là. Là. J'avais commencé un petit peu à la continuer, donc là j'avais mis ce bâtiment là, que je voulais transformer pour pouvoir avoir deux boutiques supplémentaires ici. Donc il va falloir qu'on transforme un peu tout ça. Ça va être chaud parce que on a cette espèce de tour là, qu'on sait pas trop quoi en faire.
On va peut-être la mettre ailleurs, la tour, plutôt par là. Ouais, plutôt par là, ouais. Plutôt par là, ouais. Alors, si je la prends, on va prendre tout ce qui va avec. Hop, 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 hop. Oh non, c'est pas dans le même groupe. Oh, c'est pas dans le même groupe, putain. Ah. Alors, c'est pas grave. Ça, 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 c'est dans le même groupe. Et ça, oui, et ça, non. Ok. Donc ça, 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 séparé du groupe. Donc là, ça m'a créé un nouveau groupe, normalement. Ok. Maintenant, si je prends ça, ça et ça, que je vais séparer du groupe. Ok. Maintenant, je prends ça et ça, je les fusionne en un élément. Voilà. Et maintenant, je peux prendre cet élément et le bouger. Très bien. Je peux le mettre par là, si je veux, du coup. Comme ça, en fait. Comme ça en fait. Très bien. Parfait. Ça va le bouger un petit peu, voilà. Et là on va pouvoir mettre deux boutiques. Donc là il va me falloir un mur qui ressemble à ça. Je dois en avoir peut-être là-dedans. Voilà, de façade. Voilà. Clac pour mettre ici. Hop là. Très bien, on va peut-être même prendre ça. Voilà, déco là en fait. Hein. Oh là là. Ça. Qu'est-ce qu'il y a comme déco devant là? Ça, ça. Ah! Ok, faut pas que je me déplace en même temps que j'appuie sur CTRL. Tac, tac. Ah, je peux pas cliquer à travers les gens, c'est pas possible. Par contre, les gens là, ils sont un peu trop loin, ils traversent le truc. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Alors, je peux arriver à cliquer sur ces machins ou pas? S'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux pas la boutique par contre, voilà. Je veux que les trucs et pas le mur non plus. Ah, ça m'a pas pris les. Non, mais ça va être dans le... ça va pas être dans le même groupe, vous allez voir. Ok, bah c'est pas grave, je prends juste ça. Ça, je fais CTRL D. Voilà, ça ira très bien. Juste ça. Paf. Ok, là on peut rajouter. Ah non, pas l'aller encore. Il faudra mettre la boutique dedans. Et là, pareil, on va récupérer. Ah, on n'avait rien. On n'avait rien. Alors on va prendre. Ça c'est quoi? C'est du mur. Mur en rondin. Alors, mur. Là, si je cherche rondin. Voilà. Devanture en rondin. Clac, parfait. Est-ce qu'on prend la même chose? Ouah, on peut prendre la même chose, on s'en fout. Hein. Ça ira très bien. Clac, clac, clac. Hop. Est-ce qu'on est bien droit? Ouais, on a l'air d'être bien droit. Paf, voilà, voilà, très bien. Alors, on va pousser un petit peu ces plantes là. On va mettre plutôt par là. Ok, ça me semble bien tout ça. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a comme boutique ici? Là, c'est un Looney Bloom, donc c'est des souvenirs, des ballons.
Là, j'ai mis quoi? Un point d'information. Je pense qu'on va mettre de la boisson là. Et on mettra de la nourriture ailleurs. Alors là, l'idée, ce que j'aimerais bien faire ici aussi, c'est deux falaises en rocher là, rouges comme ça. Et un espèce de pont en bois par-dessus. Et que là, ce soit un morceau d'habitat. Ça va être compliqué, je pense. Surtout que je sais pas comment. Maintenant, je vais pas pouvoir en fait. Je pourrais jamais la relier. Bah non, je pourrais jamais. Ouais, non, je pourrais jamais, c'est débile. Je pourrais mettre un faux arbre par-dessus, mais je pourrais jamais relier. Je pourrais jamais fermer mon habitat en tout cas. Parce que pour fermer un habitat pour les clôtures, il faut arriver à mettre le. À mettre les barrières. Et là, typiquement, une clôture, ici, ça passe pas, là. C'est con, d'ailleurs, que les barrières invisibles, on puisse pas les mettre partout. Genre, même comme ça, là, à l'arrache. Ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'au final, on s'en fout, là, vu que c'est une barrière invisible. Juste de pouvoir le fermer, quoi. C'est dommage qu'il faut que ce soit absolument lié au terrain. Autant pour les autres, je comprends. Mais les barrières invisibles... Voilà, ça devrait être permissible un peu. Un petit peu plus en tout cas. Voilà, donc là on a posé notre truc. On va juste terminer ça. Donc là on va mettre... on est toujours dans ce groupe là. On va éditer ce groupe. Voilà. Service. Visiteur. On va mettre des boissons. On va mettre des jus. On va mettre des jus. Et on va mettre des sodas. Soda, ça marche bien. Soda, c'est une valeur sûre. Je l'aurais bien laissé là, ce palmier. Ça va bien, je trouve. Qu'on fasse un truc là pour que ça fasse plus joli que ça. Je crois que des trucs comme ça, il y en a des plus gros. Je vous ai déjà dit que j'aimais trop les musiques. Hein. Je suis sûr que j'ai déjà dit. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Un objet qui pourrait faire genre pot de fleurs pour notre gros truc là. Mais il n'y a pas tout. Ah, mais je suis pas bon. J'ai pas pris tout. Et ouais, j'ai pas pris tout. Y a vraiment un paquet d'objets. Un brasier. Ouais, non, un brasier, peut-être pas. Un truc comme ça, là. C'est un peu gros, quoi, pardi. C'est un peu gros. C'est un peu gros. C'est un peu gros. Ça, c'est un peu petit, je pense. Ouais. Ça aussi, évidemment. Ça, ouais, c'est limite trop petit. Ça manque un tout petit peu de taille, faut voir ça. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est nickel. Paf. Ça me plaît. Ça me plaît. Ça fait genre petit banc en plus. Les gens peuvent s'asseoir dessus. Un peu plus haut alors si on fait un petit banc quand même. Paf, voilà. Voilà. Donc là il y a déjà des plantes, c'est déjà un peu décoré, c'est cool. Voilà, petite zone sympa. Alors là il y a une petite porte, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit chemin. Voilà, stylé. Ok. Là, peut-être qu'on pourra rajouter une boutique aussi ici. Dans ce truc-là. Qui donne là-dessus. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Ok. Ah oui, je vous ai pas montré aussi. J'ai fait le pont en pierre là. Hop. Avec le bateau donc qui passe dessous. Voilà. Donc là, ouais, je disais, l'idée sera de faire une falaise tout le long là.
Clac, 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 avec des chutes d'eau évidemment pour faire la jolie petite déco. Ouais, j'avais rajouté cet arbre ici, c'est sympa. Parce que là j'ai mon enclos là, je crois. Non, je crois que j'ai mon enclos là. Ouais, voilà. Je pouvais plus effacer la terre là. Ça, c'est un truc, c'est un peu dommage qu'on puisse pas, sur les terrains invisibles du moins, modeler comme on veut dessous quoi. Je suis très content aussi de ce petit chemin. Ça m'a pris un sacré paquet de temps là, à faire ce truc-là. Je suis bien content de ce petit truc-là. Ça fait vraiment très joli. Ah oui, je voulais décorer un peu mieux là, parce que ça fait un peu terne là, ce truc-là. Peut-être qu'on le fera la prochaine fois. Je vois que ça fait déjà 40 minutes qu'on tourne, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, on aura fait pas mal de petites choses déjà. Il faudra que je gère mettre un autre enclos. Donc là, la prochaine fois, on essaiera de laisser lecture un peu pour avancer dans les recherches pour les animaux. Et on essaiera de remplir ça là. Ici, avec des nouvelles espèces. Ou peut-être. Ouais, j'ai ici à faire aussi. On verra. Il faudra le faire. Hein. Il faudra qu'on s'y attaque à là, là, ici, là. Mais les animaux d'Afrique, j'ai de quoi faire, je crois. Et je sais plus où, j'en avais déjà parlé. De toute façon, l'idée ici, c'est de faire ma grosse pyramide. Là, j'avais envie de faire une pyramide. Elle sera ici. Ça ira bien, les gens pourront monter dedans. J'ai un peu mon idée de comment je vais faire. Je vous montrerai une prochaine fois. Là, j'ai ma montagne qu'il faudra que je termine aussi. Et comme j'avais dit, l'idée serait d'avoir une autre montagne ici qui fait le tour pour avoir une vallée au milieu dans laquelle on pourra passer. Et idéalement, mon téléphérique fera le tour de la montagne et passera au milieu de la vallée. Et reviendra ici après. Voilà. Voilà. J'espère que j'aurai assez de place pour tout faire. Ouais, quand même. Quand même. Animaux d'Afrique. On va bientôt avoir fini quand même les animaux d'Afrique. Je pense qu'on va pouvoir bientôt passer à l'Europe ou à l'Asie. Ou aux États-Unis ou à l'Amérique. Peut-être. Amérique, peut-être serait pas mal l'Amérique sur la montagne. Ouais. Et là on avait nos yens. Voilà, ok, donc sur ce, et ben écoutez, voilà, je vous explique ce qu'on fera la prochaine fois. Donc sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne continuation. Et je vous dis donc à bientôt pour la suite de ce let's play sur Planzo. Allez, salut à tous, ciao!